amour. Bon, voilà. Toujours le même état quand je ressors des orphelinats. Donc ça, c'est l'association Ratia. Je vais vous mettre tout sur Instagram. Ils ont des besoins. Moi, je suis venue, je leur ai donné un peu d'argent pour qu'ils puissent faire les courses, les trucs, parce que j'ai pas le temps, je pars demain. Donc, et en même temps, je suis venue visiter les enfants que j'avais déjà vus l'été passé. À chaque fois que je viens au Maroc, c'est une association dans laquelle je passe. C'est une femme qui l'a créée toute seule. Il y a beaucoup d'enfants, il y a même des nouveau-nés. Voilà, je vous le dis sincèrement. Moi, ça me déchire le cœur, vous connaissez un peu tous ma situation. Je suis une femme qui fait partie des femmes qui font la PMA, qui peuvent pas tomber enceinte facilement. Et quand je vois ça, bah, ça me redonne du chaud au cœur parce qu'ils sont tellement joyeux, ils sont tellement gentils, ils attendent tellement d'amour et ça me déchire le cœur. Donc vraiment, je repars d'ici le cœur rempli d'amour. Mais vraiment, je suis sûre que wallah, si les adoptions, ça prenait pas du temps, ça aurait pas été une galère. Wallah, que le petit là, je l'aurais pris avec moi. Mais bon. Tata qui les chouchoute passe de temps en temps et je lui fais un petit kiff. Les animaux ont droit de sucrer de temps en temps. Ça veut dire que vraiment, il ne prend pas de sucré d'habitude.